Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light avec Katox. Et Katox, salut, grenade. Alors ça y est, t'as arrêté de... Non, j'allais dire t'as arrêté d'utiliser tes munitions sur le truc, mais non quoi. Ouais. Tiens, bah écoute, je vais essuyer ma citrouille moi. Ah, c'est un truc à boire. Est-ce que je ressemble à quelque chose? Ça m'a fait un truc, rien de moi. Parce que je vois étrangement tout en blanc. En blanc? Ouais, c'est tout lumineux. Bon, visiblement les zombies me voient. Par contre, j'ai l'impression que je suis vachement plus costaud parce que putain, je les one shot. T'as l'air de courir partout. Aïe! Ah si, il s'énerve, ça y est! Oh! Shit! Aïe, aïe! Merde, je répare mon arme. C'est un problème. Oh, mais qui c'est qui me met des mandales comme ça là? Sérieusement? Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir ou il faut encore passer 4 heures dessus? Non, mais je pense que tu peux juste pas le tuer en fait. On va pouvoir le tuer quand même. Mais... Bah, je pense que non. Je pense que peut-être que plus tard avec les quêtes on pourra, mais pour l'instant. Un petit bibip qui fait que je fais des dégâts. Je pense qu'il est juste scripté pour que tu puisses pas le tuer. Non, on dirait qu'il me voit pas eux là. Ah non, non, ouais, tu peux le tuer. Tu peux le tuer. Tu l'as tué? Non, non, mais. Il prend des dégâts, je viens de lui enlever son casque. Des patates quand on l'attaque au corps à corps, par contre. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? On voit des cailloux ou j'ai rêvé? Bah, ça ferait sens, hein. Moi, je vois des carreaux et des balles bloquées en vol à côté de lui. C'est très classe. T'es mort encore, là? Fous-moi. Voilà. Ah bah voilà. C'est loot un truc intéressant. Pas sûr hein. Balle à velours hein supérieur. Ah bah en fait j'ai compris pourquoi je reçois des gros cailloux. Pourquoi quoi? Derrière toi. Il y en a un deuxième en fait. Ah, il y en a un deuxième qui est apparu hein. Ce que je vois. Écoute, je propose de se barrer d'ici, hein. Retournons voir notre ami le sans visage. Qu'on va faire, c'est... On se casse. Ouais, t'as pris ma... Alors attends, c'est... Ah mais putain, mais t'as amené plein de gens sur nous, c'est ça? Non, j'ai amené plein de gens sur toi. Tirons. Bim. Oh merde, ça c'est un petit mur, ça. Oh la vache. Dès que tu y retournes un petit peu trop, elle part en couille cette caisse. Voilà, c'est intéressant, c'est pas grave. Voilà, c'est cadeau. Ah, merde. Safe zone, parfait, mais... Tu sais passer ta voiture. Je suis pas convaincu là. Si ça passe. Ah putain. C'est la safe zone des autres fifous là. Et tu peux pas te faire là. N'importe quoi. Normalement si on suit la voie on devra plus ou moins y arriver. Ah. En plus il m'envoie un explosion. C'est toi qui te traînes là, tu mets ta meilleure moteur. Ah la vache, comment on glisse dans l'eau. C'est de la coplanage, hein, t'as pas les bons.
T'as parlé de deux, hein. Ah, oui. ça... C'est ce qui se passe. Oh, moi, je serais pas à mentir, c'est de la voiture, les rouges de partout. Est-ce que je vais aller quelque part ici? Je suis pas sûr. Hein. Je crois que tu peux faire tout le... Tu peux faire l'entièreté du truc. Là. Ouais, mais il va falloir passer par là, là. Ça passe. Faut sauter un petit peu de plateforme en plateforme, mais ça passe. Ah! Qui a mis des caisses indestructibles là, quoi? Les salauds! Évidemment! Aïe! Ça, c'est quoi? C'est un destructeur, ça? Je ne sais pas quel développeur que cette idée, mais il est détestable. Projet secret. Ça va pas être loin pour qu'on les déclenche. Je trouvais que ma voiture a tellement de de faux que globalement merde, ça fait de mieux. Je suis. Ouais, je sais pas, je vais par là. Sur une... On peut même pas l'écraser, quoi. Ça peut se mettre sur une petite carriole à la con. Aïe. Bon, on va faire le. On va avancer un peu. Allez voir le son visage, il doit plus être très loin. Ouais, voilà, on est juste à côté. Juste à côté, juste à côté. Il faut juste passer cette. Une oreille de terre. Une oreille de terre, de cailloux. Il va y avoir un moment où on va pouvoir aller à gauche. Et voilà, parfait. Avec un gros tas et du poison. Nickel. Tout ce qu'on aime. C'est un caillou ça. Ouais. Elle avait raté le pas. Le moteur, ah ouais, quand elle est cassée, c'est le drame. Ça y est, on est rentré. Et hop, le créneau parfait. Enfin, le rangement bataille parfait. On va remettre un peu de tiens dedans. Moi aussi. C'est un petit peu la dèche. J'ai réparé mon véhicule. Il y a un exploseur qui te suivait, non? J'ai entendu un gros boom. Un gros splorch. Alors, on va aller vendre un peu de trucs. Hop. Ça, ça dégage. Ça dégage. Pourquoi j'ai ça? Un fusil de chasse sur moi? Je ne sais pas. Drôle d'idée. Je vais le poser. Le servir. Pif, voilà. Ah, j'ai toujours mon bourdon tueur sur moi, tiens, faudrait que je m'en souvienne. Alors, il est où machin là? Il est dans la caravane? Non, il est dans le coin là-bas. Non, il est à l'intérieur, hein. D'accord. Il va faire tout noir. Je vais me faire refaire des petits trucs de soins. Vite fait. Voilà, je suis derrière toi. Je vais faire un dernier kit de soins. Et on va voir le sans-visage qui est planqué dans son coin. On va tenter de nous buter. It's good to see you again, brother. This time though, I fear I carry some bad news for you. Yeah, well, I'm used to that by now. What's going on here? Kyle, you already knew, didn't you? People not getting infected, that it's
just smoke and mirrors. It is the smoke, literally. Our mother found a way to fight the sickness using a certain, let's call it an elixir. You have seen it working with your own eyes. So you do have a cure? Would you call a bandage on an open wound a cure? No. What we have right now is just a temporary solution. We are working on a certain curative project, one with more permanence. But we need time, and we need peace to last for just a bit longer. And let me guess, you're running out of this elixir. Unfortunately, yes. That's why I asked you to come here. I want to offer you a deal. Find us more of it, and a fair portion will be yours. The mother will teach you how to use it. You'll be able to return to Haran with your prize, or perhaps you'll choose to stay with us. It seems like you've got an idea of where to look for this stuff. A lot of our brothers were out searching for it, and recently we lost contact with three of them. They were supposed to check a certain cave. Your seeing the mist cannot be a coincidence. It... Bien. Mm-hmm. Tout ça se précise. Je veux dire que la religion ne fonctionnait vraiment pas. La surprise est totale. Les bras m'en tombent. Ouais, je comprends, je comprends. Alors, il y a le corps de Volcan là, je sais pas c'est quoi cette quête. Et on n'a pas de quête qui nous dit retrouver le corps de Volcan, mais juste ici là, il y a un rond sur la map, juste au-dessus de mon marqueur, qui dit corps de Volcan. Ah ouais. Ça te dit quelque chose, Volcan ? Je sais pas, bah écoute, je vais aller voir. Ouais, on va aller voir. Ouais. Hello, Steve. T'as été à pied ? Ouais, j'ai pas peur. On va rester ici. Hein. Je te ramènerai. It's probably Dahl. A billionaire. Killed because he had real. Ah bah c'est le fameux. Ah oui, le mec qui cherchait là. Ouais. Tu l'as trouvé ? Parce que moi je vois pas de cadavre. Ouais, parce que. T'es beaucoup trop loin. Il est là où je suis. Il avait pas l'air trop zombifié pourtant. Non. Je sais pas. Bah écoute, peut-être qu'il l'a buté juste effectivement parce qu'il avait des belles chaussures. Bon, c'est pas. Ça servait pas à grand chose pour la quête, donc on va dire que c'est pas grave. Ouais. J'ai toujours le nid de rapace un peu plus haut si tu veux. Allez, c'est toi qui conduis. Est-ce qu'on peut suivre ? Ouais, ok, voilà, comme ça. Un arbre. Pas aller plus loin. Non mais depuis quand tu utilises pas tes mains pour te tracher un fucking rocher de mettre dessus quoi. Non, j'ai raté l'entrée là. On y va comme ça de jour, on attend que 10 minutes qu'il fasse nuit. De jour, on a pas peur. Pourquoi tu m'envoies des SOS, hein ? Pas des SOS, c'est des signaux épileptiques. Alors du coup, on a le Riminiton. On va le charger. Ça, c'est chargé. Ça, je le remplacerai bien par le fusil de police, l'arbalète, là. Voilà. Comme ça, on est vraiment... bien blindé. Il y a une saloperie là. C'est un petit ça. Vous entrez en zone sombre. Tu utilises beaucoup l'instinct de survie ? De temps en temps. Vous quittez la zone sombre.
Où est-ce qu'elle est? Pour moi. Ouais, elle fait du breakdance. Tu te fous de moi? Mec. Non mais il était suspendu au petit caillou là, juste devant le... Juste devant la surface. Ah, ça serait une potentielle zone sécurisée ça? Non. Non, je pense que c'était... Je pense que c'est pas une zone de quête ça. Il y avait des gens qui étaient censés être décédés. Aussi loin. Y a pas un cadavre à retourner, non, un cadavre. Si, y a peut-être lui. On l'a peut-être déjà fait. Genre on s'est peut-être dit ça pue du cul, on va le faire maintenant et puis on va se barrer maintenant qu'on a fait la quête. Peut-être bien. Parce qu'on n'était pas les mêmes. Carrément. Ah non, cet endroit me rappelle quelque chose. On est plus grand et plus fort. Moi ça me dit rien. Si, si, ça va te rappeler quelque chose. Le gouffre de Helm, non pas de gouffre, ah, le pont de Khazad-dûm. Ça grouille de rapaces par là-bas. Ça grouille de rapaces partout en fait. À gauche là il y en avait plein. Bah, tu sais quoi, on va les appeler gentiment. Gentiment. Ah non, là il y en a un gros là. Ouais, il y en a un gros là. Ouais, là il y en a des gros là, on est d'accord. Enfin, des fois tu leur mets deux balles, ils décèdent, des fois ils font un chargeur quoi. À gauche, à droite, c'est bon, il est retombé. On va essayer de trouver le générateur à merdier. Non, là, là. Nettoyer un. C'est toi qui fais ce bruit bizarre? Ah. Ah putain! Il sort d'où lui? Ah sa mère! Ah putain! Je venais de buter le générateur là. J'étais à peu près sûr qu'il n'y en avait pas dans le coin. Visiblement ils te voient parce qu'ils ont l'air d'être tournés vers toi. Oh, ouais, ils m'ont couché. Ah ouais, c'est tendu, hein. dès qu'ils s'énervent là... Bon bah... On gagne le droit de rejouer. Ouais. Bon, est-ce qu'ils vont nous réapparaître? Il y avait un affût pas loin je crois. Ouais, on est juste à l'entrée. Katox qui ne loot pas. Ouh. Surprise est totale. Attention, n'avance pas trop vite. Sérieux machin? Oui. Oh, tu fais quoi? Non, je suis pas là, je suis pas là. Aïe. Merde. T'es sérieux, putain! Ah, je suis né! C'est quoi cette sale gueule? Il est nouveau lui! Putain, j'ai pas équipé ma lampe, vous êtes sérieux? Merde! Ah, si! Il a une sale gueule celui-là! Oh! Ah, je suis tombé sur. Genre. Il était pas rouge, il est noir! Il est tout dégoulinant le. On va tremper dans le goudron, le gamin. Oh la vache, quoi! Ah, il tabasse! Bon, va falloir que je revoie mon inventaire parce que j'avais plus ma lampe UV là. Et ça m'aurait, genre, bien servi. Ah, moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est ma lampe UV?
Bah si, pourtant il était censé être en F2, tu te fous de ma gueule. F2, ouais voilà, lampe à UV, oui on est d'accord. Sérieux quoi. Genre, on peut la relooter, c'est abusé. Bon, bah, on y retourne. Bon, en fait, on est parti sur les côtés, mais l'entrée était juste là. Ah non, mais en fait, je pense qu'on est apparu à un autre affût surtout. Parce que la caisse de l'autre affût, je l'avais fermée aussi. Bon, 13 minutes avant l'aube, on est reparti. Dans une spirale. Est-ce que les trucs qu'on a tués vont avoir disparu? C'est la question. Toi, t'irais genre vers la droite. Ok, je te suis. C'est l'endroit où on n'a pas encore été. Putain, ils sont combien? C'est quoi ça? T'as lancé une grenade? Dis pas que t'as lancé une grenade. Pourquoi j'ai un petit symbole rouge? Ah, parce que c'est le... Ah, y'a un fucking crasher là-bas. Ouais. C'est bon, y'a plus de crasher. Bon, ça en fait un. On avait tué un tout à l'heure aussi. Mais ça l'a pas empêché de faire sortir plein de saloperies. Hein, donc, C'est vachement lumineux hein, avec ces petits trucs là. Encore un par là, je crois. Ouais. La zone, il y a moyen. Oh, y'en a un là. Bien joué. Ah, pourquoi il a un œil et... Bah voilà, c'est fastoche. On se plaint. Oh, maintenant faut sortir pour survivre à la nuit. Écoute, maintenant on sait qu'il y a un affût qui est accessible juste à gauche au pire. Putain, ils sont tombés ces coups. Pas bien sûr que ce soit le chemin. Si, ça y est, on est retourné au gouffre. Extraterrestre avec les luminescences. Ouais, les petits champignons lumineux, ils sont un petit peu what the fuck. Quoi. Bien vu. Bien vu, bien vu. Voilà, il y a un affût de chasse là au pire. Sinon... Il y a l'air d'avoir une zone safe un peu par là-bas. Enfin, en tout cas, il y a de la grosse lumière bleue. Mais il y a une saloperie sur le chemin. On a 260 mètres. Alors attends, déjà, au niveau des quêtes, on va faire ça, on va suivre ça. Katox qui va en mode badass, on le suit. On a un derrière moi, mais visiblement il m'a pas vu. Un à droite, un à gauche, ça le fait. Ouais, je sais, tu fatigues. Ouais, écoute, c'est comme ça. Je suis une fougère, la 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 la. Katox la fougère bien connue. Tu veux passer là-dessus, tu te fous de moi?
Ah bah c'est la ferme de Jazir. Parfait. Hop là. Coucou. Passons la nuit. Très bien. Bon bah 9500 points de survie, hein, ça valait bien le coup d'en perdre 70 000 en crevant. Ouais, ça valait le reste. Ah ils sont à l'autre bout de la map évidemment les deux autres. Putain les voitures sont pas là bien sûr. Sans l'autre bout de la map, c'est vrai. Ah oh, putain, oui. Effectivement. À l'autre bout de la map, ouais. Mm-hmm. Allez, c'est moi qui te suis pour une fois. Ah non, tu veux que je te conduise? C'est ma voiture, ça. Tu veux conduire? Bon, bah. Ben... C'est ta voiture? Oui, c'est la mienne. Ah ouais. Bien sûr que c'est la mienne. Je me disais bien qu'il y avait pas tous les trucs intéressants dessus. Bah, ouais, je débute, moi. Par contre, je crois que j'ai gagné un point de quoi? De survivant. Je peux fabriquer des boucliers, hein, je suis super content. Défi du destructeur, il y a un destructeur pas loin, parfait. Faut remarquer que Katox part déjà du mauvais côté. Ah oui, mais je cherche une touche. Tu cherches une touche? Ouais. Ah, t'as débloqué un truc? Ah, trouvé, regarde. J'ai vu que ça t'a roté. Putain, ça fait des dégâts en plus. Et ça, oh, fait monter mon, ça fait monter mon niveau de conduite en plus. Il va te prendre des dégâts. Ouais, que dalle, hein, ça m'a enlevé un PV. C'est une manière de se farmer l'XP, de se cramer la gueule là. Ah ouais, tu laisses les plots en feu derrière. Tina, listen good while this damn thing works. I know what's going on. They have something 100 times better than Antizin. The good news, they'll share it with me. The bad news, I need to find it. Now I know the clock's ticking, but I can't let go of this yet. It's the best chance for all of us. I understand, Kyle, but please, please hurry. Run out of that. Pas du tout par là. Bah ouais, je suis peut-être carrément pas le bon chemin en fait, j'ai l'impression. Oh, mais je peux regarder la carte. Wow. J'ai fait un saut là, j'ai chopé un zombie au vol. On va aller par là par exemple. Ça me paraît pas un plus mauvais chemin quand même. Aïe. J'ai plongé dans l'eau. Dans l'abysse. Exactement. Dans les abysses. Bon. Ok, donc là visiblement il y a genre un lac. À noter sur ma carte. Ici, un lac. C'est ça, exactement. Ah, ah, ils sont relous ces trucs explosifs. Ah, partout, hein. Moi j'ai pas encore les trucs électriques et tout. Ça sauve la vie. Je me situe absolument pas où t'es loin. À 300 mètres. T'es de l'autre côté de là, du lac, non? Enfin du ruisseau. Aïe. Je crois que tu es retourné, Titine. Je crois que tu es retourné. Oh mais sérieux, j'étais pas dedans là. Un peu trop large cette voiture. Ok, par là. Si on peut. La vie Katox est toujours à 300 mètres. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'avance plus. Ah, on est sur la route. Parfait. On va prendre ce petit tremplin. C'est vrai que ça pose quand même question sur l'amélioration tout terrain dont il parlait. Ouais. Ouais. Après, est-ce que c'est un truc qu'on débloque plus tard?
peut-être. Pourquoi tu t'es retourné, voiture? Non, mais sérieux, là. Ah, mon dieu, qui a posé une flaque d'eau ici. Non, 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 non. Mais arrêtez de faire me poser des trucs qui explosent, c'est chiant. C'est que ah, ça, ben voilà. Je te vois, ça y est. Je t'ai suffisamment rattrapé en descendant les collines. Je suis toujours pas convaincu que t'es pris le bon chemin. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser que... Bah si. Allez, arrête-toi deux secondes, faut qu'on arrête l'épisode. Allez, j'ai rattrapé le catox. On peut s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je t'ai vu venir avec ton lance-flamme. Et salut tout le monde. Salut. On est ici.